Bonjour, dans 95% des cas, votre blog ressemble plus à un cactus au milieu du désert plutôt qu'à un pot de miel qui attire des abeilles. Vous êtes blogueur novice, vous êtes blogueur amateur ou peut-être avez-vous un blog depuis de nombreuses années. En effet, malgré tous les articles que vous avez lus, toutes les vidéos que vous avez consultées, tous les livres que vous avez parcourus, vous avez peu de trafic et peu de visiteurs et rien n'y fait. Même une publication régulière d'articles ne change rien. En fait, tout comme vous, cette situation, je la connais pour l'avoir vécue. Je ressemblais plus à un blogueur fauché et pas connu du tout, comme vous aujourd'hui. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et ce qui était énervant, c'est que je ne connaissais pas les raisons de cet état. De plus, à la longue, tout ça sème le doute. On a l'impression de perdre son temps, de ne pas faire les choses correctement, de manquer du fameux truc, le fameux truc dont on n'entend parler nulle part, qui fait la différence. Dans cette fameuse période de doute, ne vous êtes-vous pas demandé un jour si vous étiez en fait fait pour le blogging et si vraiment vous aviez l'étoffe d'un blogueur? Blogueur depuis de nombreuses années sur 366jours.com, je vous propose une solution adaptée à votre situation. Pour cette méthode, aucun besoin d'avoir fait de longues études ou de disposer de compétences particulières. Vous allez pouvoir en 10 minutes pouvoir constater des résultats assez bluffants. Là où hier vous ne portiez aucune attention particulière à cela, vous allez briller et être perçu différemment en y consacrant un peu de temps. Aucun besoin de sous-traiter, vous allez réaliser ça vous-même et vous allez en être satisfait. À tel point que l'on pensera que vous avez employé quelqu'un pour faire ça. Dans quelques instants, vous allez donc avoir accès à cette méthode pour laquelle vous pourriez passer des heures de recherche. Cerise sur le gâteau, vous allez avoir des retours sur investissement, car cette formation, cette méthode, c'est un investissement. Tout ceci n'est qu'un aperçu des avantages dont vous allez pouvoir bénéficier, car à présent vous avez conscience qu'il est nécessaire de changer quelque chose dans votre manière de manager votre blog. Il vous manque quelque chose. Si seulement votre blog avait plus de trafic et plus de visiteurs, vous auriez l'esprit détendu et vous seriez plus serein pour bloguer. Imaginez-vous demain avec combien ? 100, 200, 300 visiteurs par jour ?